Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti! Emilienne Danielle Ngo Basson, plus connue sous le nom de Emmy Dani Basson, née le 4 janvier 1991, est une actrice camerounaise originaire de la ville de Babimbi dans la région du littoral Cameroun de son vrai nom Emilienne Danielle Ngo Basson, Emmy Dani Basson plus connue sous le nom de Ngo Bikaï. Née le 4 janvier 1991 au Cameroun et originaire de Babimbi dans la région du littoral au Cameroun. Son père décédé quand elle était encore une enfant, elle est élevée par sa mère actrice camerounaise, elle se fait connaître en 2004 au petit écran. Cette même année, après la naissance de son fils, elle marque une pause et revient 12 ans plus tard avec une web-série qui marque les esprits des internautes. Par sa détermination, elle paraît aux écrans noirs de 2020 dans 6 projections de films et de séries. Ambassadrice de plusieurs marques au Cameroun, elle ouvre en 2021 son premier restaurant à Douala sous le nom d'African Food. En 2021, Emmy Dani Basson est nominée à 2 compétitions africaines, l'Acte 13 des Canal 2 or dans la catégorie Meilleure Comédienne 4 et le Sotigui Awards 2021 dans la catégorie Meilleure Interprétation Féminine Série Africaine et Prix du Public 5. Les cérémonies des récompenses sont respectivement prévues pour le 30 octobre 2021 à Douala au Cameroun et en novembre 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso. 2021 prix de la meilleure comédienne Canal 2 or pour le rôle de Sophie Ewan dans la série Madame Monsieur d'Ebenezé Kepombia. 2021 prix de la meilleure interprétation féminine série TV africaine pour son rôle de Sophie Ewan dans la série Madame Monsieur d'Ebenezé Kepombia à la 6e édition des Sotigui Awards au Burkina Faso aux côtés de Rigoberta Moi. Mimi, de son vrai nom Mélanie Ngoga, née le 11 janvier 1991 à Douala, est une chanteuse et comédienne camerounaise. 1. Mimi a signé sous le label Empire Company en 2017. Mimi est née le 11 janvier 1991 à Douala. Elle découvre sa passion pour la musique à l'âge de 9 ans et s'essaie en chant. Dès 11 ans, elle interprète des chansons lors des kermesses dans son collège. Après ses études secondaires, elle s'inscrit à l'université de Douala où elle obtient un master 2 en communication des entreprises et marketing tournage du clip Mahalay. Elle commence sa carrière professionnelle avec un premier single intitulé Warriors en 2014, mais ce n'est qu'en 2016 qu'elle se fait remarquer par le grand public avec la sortie du titre Danse Fiou. Elle se fait repérer par la suite par le label Empire Company de Pete Bacardi qui décide de la faire signer sous son label. Elle rejoint officiellement le label 2017. Mimi compte aujourd'hui une dizaine de singles et de nombreuses collaborations avec les artistes camerounais et internationaux tels que Chanel, Digi ou Manto, KOC et Loco.